Salut à tous et à toutes, c'est Supraphénix, on se retrouve pour une énième vidéo, je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais aujourd'hui on va attaquer un gros morceau en PHP, c'est-à-dire que maintenant qu'on a fait les trucs chiants, genre arrêt, etc., on va vraiment passer aux choses sérieuses, et je vais vous montrer l'intérêt de PHP, son vrai intérêt, c'est-à-dire traiter des formulaires, traiter des données, et arriver à des résultats vraiment qui sont satisfaisants. Alors, on va commencer par... écoutez, les URL. Alors, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent sur les sites, on arrive à des URL qui ressemblent à ça. Je vais vous l'écrire ici. Des fois, vous tombez sur du http://. Bon, alors attendez. Là, il faut pas prendre en compte la. Voilà, vous avez par exemple, on va prendre mon site, redmyface.fr/index.php. Donc là, jusque-là, l'URL est facile à comprendre. Vous avez le nom du site, l'extension, vous avez le nom de la page que vous cherchez, et des fois, vous remarquerez qu'il y a par exemple evalue égale tac 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 et nombre égale w, voilà, etc. Vous avez des fois des URL composées comme ça avec des points d'interrogation, des et, je pense que le caractère on va l'appeler et. Donc voilà, souvent on arrive à des trucs comme ça et vous devez sûrement vous demander. En fait, à travers l'URL, on peut passer des données. C'est-à-dire qu'on peut par exemple, transmettre des données d'une page à l'autre simplement avec l'URL. Donc je vais vous montrer ça de suite. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va, écoutez, alors je sais pas comment vous le présenter. Alors je vais vous apprendre quelque chose. En PHP, vous avez des variables qui se créent automatiquement. Ça s'appelle des super globales. Parmi ces super globales, vous avez get, qui se présente de cette forme, post, qui se présente de cette forme, et vous avez cookie, sans oublier serveur. Alors, il doit y en avoir sûrement d'autres, mais pour l'instant, on va voir celle-là. Serveur, on la verra plus tard, cookie pareil. Pour l'instant, on va vraiment s'intéresser à get et post. Alors, get, c'est des données qu'on récupère parmi l'URL. Par exemple, voici un exemple. Je vais afficher get nombre. Voilà, on va afficher simplement get nombre. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est... En fait, dans l'URL, je vais juste vous reprendre l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Faire index.php nombre égal 1. Voilà. Donc nous, ce qu'on a ici, en gros, mettre un point d'interrogation après la page, c'est-à-dire qu'on va commencer par une variable, la variable nombre. Donc là, on définit une variable. Ça revient au même. C'est comme si on faisait nombre égal 1 en PHP. C'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on fait, on va direct le mettre dans l'URL. Ça va nous servir pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie pour notre serveur. Donc voilà, nous ce qu'on va faire c'est ça, on va directement le mettre dans l'URL. Ensuite, on peut rajouter une autre variable en faisant par exemple chiffre égale 2. Donc là on fait, c'est comme si on faisait nombre égale 1, chiffre égale 2. Sauf que nous on va pas récupérer les variables en mettant combien fait chiffre. Étant donné que on définit une variable dans l'URL, donc dans l'adresse, pour les récupérer, on doit forcément utiliser un get. C'est-à-dire que si je veux récupérer chiffre, je vais faire echo get chiffre. Et là, il va me ressortir normalement 3 et 2. Donc je ne sais pas si vous comprenez. On va mettre un br. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on a localhost. Ici, on n'a pas de .fr ou de .com, on a juste localhost. On s'en fout. On met un slash, on met index.php, nombre égal, disons 28, et chiffre égal 2. Vous voyez donc s'afficher clairement 28 et 2. Pourquoi? On demande de récupérer get nombre. Get nombre, on l'a ici. Get chiffre, on l'a ici. Dans le langage de l'URL, le point d'interrogation veut dire qu'on va
après ce point d'interrogation, définir des variables. Ce « et », c'est pour faire la différence entre le nombre et le chiffre. Parce que si je mets pas de « et », voilà ce qui va arriver. Vous pouvez voir que « nombre » est égal à 28 chiffres. Et là, on a une erreur parce que la variable « chiffre » n'est pas définie. Undefined index. C'est-à-dire que « chiffre », on l'a pas défini, tout simplement parce qu'on l'a pas mis dans l'URL. Donc « chiffre » égale « test ». Vous voyez, ça marche aussi avec du texte. Ça marche avec tout. Là, blabla. Voilà, donc maintenant, un exemple concret que je me suis inspiré sur le site du zéro. Voilà, alors. On va faire. On va mettre un lien pour commencer. AHREF. Alors là, voilà ce qu'on va faire. On va nous rediriger vers la page, mais ajouter des valeurs dans l'URL. Donc par exemple, là, on va mettre nombre. Non. Prénom égale Johan. Et nom égale. Bon, j'ai pas envie de vous donner mon nom, donc. Et pseudo égale. C'est pas que je vous fais pas confiance, hein. Non, c'est juste qu'on va éviter quand même de. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, là, ce qu'on fait. Prénom est égal à Johan. Pseudo est égal à SupraPhoenix. Hop. Là, c'est la base du HTML. Vous devez comprendre cette balise sans que je vous l'explique. Voilà, donc on a juste rajouté des valeurs. Vous pouvez d'ailleurs faire comme ça si ça vous rassure. Index.php. Dire bonjour. Et donc là, on va faire en sorte que si il ne manque pas le prénom et le pseudo, on affiche ces valeurs. Parce que vous avez vu que si on ne définit pas les valeurs et qu'on les affiche, il y a une erreur. Donc pour éviter ces erreurs, on fait en sorte que si PHP a ces valeurs nécessaires, on les affiche. S'il les a pas, on fait rien. Pour éviter justement l'erreur. Donc là, c'est une simple condition qu'on a appris dans le chapitre 3, il me semble. Donc c'est if iSet get prénom and s'il ne manque pas prénom et pseudo, on affiche. S'il en manque un des deux, rien ne s'affiche. Bon, après, on peut faire aussi en sorte que s'il y en a une qui s'affiche, ça s'affiche. Bon, après, c'est un peu plus complexe. If iSet get. Donc, vous voyez, il faut vraiment mettre get. Vous faites deux crochets et deux apostrophes à l'intérieur. Pseudo. La condition est vérifiée. On ouvre la collade. On affiche. Laisse-moi deviner. Tu t'appelles. Notez l'anti-slash que j'ai mis ici pour éviter que PHP interprète ça comme une fin de chaîne. Tu t'appelles. Get. Prénom. Et ton pseudo. Get pseudo, voilà, tout simplement. Ensuite, on ferme les accolades. Else, donc si il manque ou prénom ou pseudo ou les deux, on affiche. Il manque le prénom ou le pseudo. Et on ferme la collade. Voilà, c'est parti, on teste ensemble. On est sur localhost. Alors attendez, là, un petit problème. Ah oui, alors là, c'est pas logique ce que j'ai fait. Parce que je me tire une balle dans le pied en faisant ça. On va le faire comme ça. Voilà. Donc là, vous avez un lien, dire bonjour. Si je clique dessus, regardez en bas. Donc là où je mets ma souris en ce moment. Mais non. Voilà, donc vous avez localhost, index.php. Là, ce qu'on va faire, on va cliquer et on va rajouter dans l'URL qui est là, on va rajouter des valeurs, regardez. Hop, les valeurs s'affichent. Laisse-moi deviner, tu t'appelles Joël et ton pseudo est SupraPhoenix. On peut le changer en mettant test. Et ton pseudo est test. Vous voyez, on peut modeler une page simplement avec l'URL.
C'est vraiment l'idée générale. Il faut vraiment que vous reteniez la super globale get. Parce que vraiment, cette super globale va vous être très très utile à l'avenir. Donc, on peut ajouter un petit plus. Une fois qu'on a dit bonjour, on peut l'enlever ce lien, se dire bonjour. Parce que regardez, on peut cliquer à l'infini dessus. C'est une boucle. Ça sert à rien. Nous, ce qu'on va faire, on va faire une petite condition. Encore une fois, pour vous entraîner. D'ailleurs, si vous regardez. Enfin. Après avoir regardé ce tutoriel, entraînez-vous à faire des exemples comme ça. Même. Entraînez-vous. Même si vous avez des erreurs, vous me le dites en commentaire, moi je vous aide. Mais ne restez pas sur le tutoriel en vous disant c'est bon, j'en ai pas besoin. Pas besoin de le refaire. Alors, là on va faire. Si il manque la variable get prénom et qu'il manque la variable pseudo, on ouvre l'accolade. Donc là, je sais pas si je vous avais déjà montré ça, mais quand on ouvre l'accolade, remarquez que je ferme la balise PHP, mais ça n'empêche pas que tout ce qu'il y a entre l'accolade, ça continue quand même d'être une condition. C'est-à-dire que regardez, on peut mettre du HTML entre deux trucs PHP, réouvrir PHP et fermer l'accolade. Donc là, voilà. Dire bonjour a disparu parce que la variable prénom et pseudo sont présentes. Si on enlève, dire bonjour apparaît. Donc vous voyez un peu le. Et regardez, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression qu'on a deux pages, regardez. On a. Oula. On a deux contenus différents en une seule page. Tout ça avec des conditions. Donc en fait, il faut vraiment jouer sur ces conditions. Et c'est ça vraiment qui va nous servir. Alors maintenant, je vais vous montrer comment traiter un formulaire. C'est là où on commence à être dans les choses sérieuses. On va découvrir une autre super globale. Donc, je pars du principe que vous savez tous faire un formulaire. Vous avez dû l'apprendre en HTML normalement. C'est parce que quand on suit ce tutoriel, on doit connaître le HTML. Donc, form et. Donc forme, on ouvre la balise forme. Un petit rappel, action. Action, c'est la page la page dans laquelle le formulaire va être traité. Donc nous on va le traiter sur la même page que le formulaire. Donc action, on met rien. Méthode, on va mettre post. Pourquoi post? On aurait pu mettre get, mais là on va utiliser la super globale post. Donc là on ferme forme et à l'intérieur on commence à mettre nos petits inputs qui sont des cases. Type égale texte name, alors là c'est le nom de la case. On va l'appeler pseudo et value plutôt. C'est qu'est-ce que c'est value? C'est pour mettre un contenu déjà pré-rempli. Par exemple, ton pseudo ici. On met une case, enfin un bouton plutôt pour envoyer. Submit. Name égale envoyer value, c'est ce qui va être écrit sur le bouton. Fait péter. Il me semble que impute, voilà, il faut mettre un anti-slash à la fin pour. C'est une balise simple en fait. On actualise tout ça. Voilà, donc on a une case et on a un bouton. Pour l'instant, je clique dessus, ça fait strictement rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun PHP qui traite. Aucun PHP ne traite notre formulaire. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va découvrir une variable, une super globale qui s'appelle post, qui s'écrit exactement comme ça. Qu'est-ce qu'on met entre ces deux apostrophes? Alors là. Pour avoir le pseudo, par exemple, on va mettre echo post pseudo. Pourquoi pseudo? Parce qu'ici, le name de la case texte, c'est pseudo. Donc là, on va récupérer le contenu de la case qu'on a envoyée avec cette variable. Donc nous, on va faire un test. Alors attendez. Voilà, donc là, vous voyez, on a une erreur. Pseudo n'existe pas. Normal, on n'a rien envoyé. Alors nous, ce qu'on va faire pour régler ce problème. S'il ne manque pas post pseudo, alors on affiche pseudo, sinon on fait rien.
Donc là, ça corrige le bug, il n'y a plus rien. Maintenant, voilà. Johan fait péter. Johan. Vous voyez, le formulaire m'a ressorti ce que j'ai dit. Non, je veux pas aller sur poste de travail. Donc là, voilà, il y a ton pseudo ici. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Par exemple, coucou. Voilà. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. On peut aussi faire... on peut aussi, par exemple, changer la valeur en fonction de notre dernière réponse. S'il ne manque pas la variable pseudo, post-pseudo, on affiche post-pseudo. Sinon, on affiche ton pseudo ici. Alors là, j'ai une petite parenthèse à faire quand même niveau sécurité, parce que là, je ne vous montre absolument rien niveau sécurité. C'est-à-dire que si vous faites un site avec seulement ça, vous allez vous le faire hacker en rien de temps. Pour l'instant, j'en parle pas. Mais je ferai un tutoriel qui va à peu près durer 10-15 minutes, qui va vous parler que de la sécurité, que je vais mettre en annexe d'ailleurs à la fin de mes leçons. Donc regardez-le parce que vraiment ça va être très important. Là, si vous faites ça, vous êtes sûr de vous faire hacker votre site et d'avoir des gros problèmes de sécurité. Donc voici un exemple, ton pseudo ici, Johan. Et qu'est-ce qui est dans la case, on a toujours Johan. Il n'y a pas ton pseudo ici qui est revenu. Si je mets Johan avec 2 N, hop, voilà. Donc ça, c'est le genre de truc qui va nous permettre de plus tard faire par exemple une inscription membre, un forum. Si par exemple envoyer un message, vous voyez, c'est vraiment... c'est technique, c'est un coup à prendre, mais après, dès qu'on l'a, c'est super, quoi. Alors voilà ce qu'on peut faire, on peut aussi rajouter un truc. Ton pseudo... Et ça c'est juste pour le fun, hein. Ça sert pas à grand chose, mais vous savez déjà faire. Voilà, ton pseudo. Ton pseudo et Johan, vous voyez? On a vraiment donc là le système complet. Donc là il manque un petit espace. Ton pseudo et ton pseudo ici. Voilà, donc vraiment, on peut envoyer des multitudes de données. On peut aussi envoyer des chiffres, des nombres, faire des additions par exemple. Je vais vous montrer un exemple de suite. Alors on va mettre CH pour chiffre. J'ai la flemme d'écrire chiffre en entier. Au moment, on va mettre un chiffre. On va mettre chiffre, plutôt, ouais, bon, chiffre égale 48. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on va taper le chiffre dans la case, il va s'ajouter à 48. C'est-à-dire qu'on va faire 48 plus le chiffre que vous avez rentré. Donc là, on va mettre, par exemple, chiffre plus post-chiffre. Post-CH, CH, point, égal, égal, chiffre, plus, post-CH. On va tout d'abord s'assurer que CH est un chiffre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. On va faire chiffre sécurisé est égal à int val post CH. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie que la variable post CH est bien un chiffre à travers cette variable. Donc maintenant on va utiliser celle-ci pour remplacer post ch. C'est pour éviter qu'on puisse mettre du texte avec des chiffres. Voilà, donc on va tester ce petit exemple. Fait péter, ajouter 48 à ce nombre. Allez, parce que je suis perfectionniste, on va faire ça bien. Voilà.
Donc on va ajouter 48 à 2 par exemple. 50. Si j'ajoute à 8, 56. Si j'ajoute à ce chiffre. Vous voyez, donc c'est vraiment infini ce qu'on peut faire. Vous avez vraiment une multitude de 1, voilà, 49. Maintenant, si je mets un négatif pour voir, 47. Vous voyez? Moins 85, moins 37. Vraiment, on peut faire des tonnes de trucs avec ça. Vous imaginez pas les systèmes qu'on peut réaliser. Et d'ailleurs, je vous invite à vraiment étudier l'exemple que je vous ai, les exemples que je vous donne, et d'en refaire des nouveaux, d'imaginer de nouveaux concepts que vous pouvez faire à votre niveau pour vous entraîner. Parce que vraiment, il y a 50% de pratique, 50% de théorie et 50% de pratique. Si vous pratiquez pas, vous n'arriverez pas. Vous allez vous retrouver un jour devant une page blanche et vous allez dire qu'est-ce que je fais. Donc là, par exemple, on va essayer du texte. Voilà, là, la sécurité, on peut mettre du texte, 48, ça reste toujours 48. Ensuite, on peut faire un système. Si ce n'est pas un chiffre, on met une erreur. On pouvait faire une multitude de choses. Donc, je vais regarder ce qui vous manque. D'ailleurs, ça doit faire longtemps que je fais le tutoriel. Là, ça doit faire au moins. Oui, ça fait 21 minutes. Je finis rapidement. Transmettre des données avec l'URL. Ça, on l'a fait. Écoutez, je crois qu'on a pratiquement fini. Voilà, donc moi je vous ai fait deux tutoriels en un là. Créer la base du formulaire, les éléments du formulaire, la file CSS, l'envoi de fichier. Donc on verra dans un prochain tutoriel, qu'est-ce qu'on va voir? Oui, je vais vous montrer comment on fait une page protégée par mot de passe. Donc vous voyez ici, vous avez le tutoriel en question. Je vais vous montrer un exemple vraiment pratique. Et ensuite, on étudiera les sessions, les cookies pour faire des espaces membres. Et après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les bases de données. Et là, c'est là où vous allez vraiment découvrir la puissance de PHP, ce qu'on peut faire avec. Et vous allez vraiment commencer à prendre plaisir à faire ça quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une soirée, j'en sais rien quand à quelle heure il est chez vous là. Mais à bientôt pour un nouveau tutoriel. Allez, salut.